momento. Sur le tarmac de l'aéroport de Quimper-Bretagne à Plougufan, le Technival interdit par la préfecture avait démarré vendredi et s'est terminé hier. La musique est coupée, mais des toffeurs ont joué les prolongations. Et sur le toit de l'auto, mon copain, tu crois que quoi, hein? On prend rien, hein, à fond, hein? Technival! Aujourd'hui sur place, le bilan avec Arthur Konanek. L'aéroport Quimper-Cornouaille est encore occupé par quelques irréductibles et ce n'est pas la pluie qui les effraie. La musique a été coupée hier à 15h et il reste pourtant sur le tarmac une centaine de véhicules et 300 à 400 personnes encore en ce moment même pour un événement qui, je le rappelle, a ramené plus de 10 000 personnes pendant le week-end de Pâques au pic des festivités pour un événement qui n'était pas autorisé par la préfecture du Finistère. Alors pour avoir discuté avec les festivaliers encore sur place, ils m'ont expliqué ne pas vouloir quitter le site pour protester contre les saisies matérielles ainsi que contre la répression que subit le mouvement techno depuis quelques années. Il faut dire que tous les festivaliers ont été contrôlés et verbalisés en quittant le site. 8750 contraventions ont été établies par les autorités. €135 par personne, €135 par véhicule. Faites le calcul, ça fait plus d'€1 million de contraventions établies par les forces de l'ordre. Côté dégâts, des portails, des grillages, l'éclairage du tarmac ainsi qu'une station météo auraient été allumées. On parle de 50 à 100 000 € de dégâts. Au-delà de l'aéroport, aucune détérioration n'a été signalée sur la commune de Plougufan.
Vous allez tous pouvoir la tête, vous allez appuyer de la boucle de bâtard.